Selon moi, les filles connaissent plus de difficultés d'accès à l'éducation par rapport aux garçons parce que les filles, c'était pour le ménage. Les garçons, c'est à eux d'aller à l'école parce qu'on suppose que c'est à eux de savoir et c'est eux qui iront travailler et tout. Les filles aussi auraient droit à l'école, bon, pas plus que, mais autant que les garçons. Je me dis que si je vais à l'école, j'ai un avenir. J'étais dans une classe de 57 élèves. C'était une classe très bruyante et le professeur n'avait toujours pas le temps. J'avais beaucoup de questions qui restaient sans réponse. Bon, j'étais à l'hôpital parce que je souffrais de malaria. C'était l'avant-veille des examens d'État. Les examens qui permettent d'aller à l'université. Ça m'avait mis la pression, vu que je manquais des copies. C'est comme ça que j'ai recouru à Instant School. J'avais vraiment le temps de répéter les vidéos comme je voulais et je pouvais comprendre la matière. Je me suis débrouillée toute seule. Et même lors de l'examen, je m'en suis mieux sortie que celles qui avaient étudié avec leur cahier. Mais bon, je compte faire la médecine à l'université de Kinshasa. Je voudrais bien me spécialiser en pédiatrie et en dentisterie. Ce programme, pour moi, est intéressant et d'autant plus que c'est gratuit et que ça aide aussi beaucoup d'autres enfants dans le pays qui n'ont pas accès à l'éducation.